Bonjour, monsieur Gagnon. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce? Eh bien, on se maintient, comme on voit, on a travaillé. Il y a avec Jean-Claude Le Gagnon, artiste, est-ce qu'on capte? Nous, l'atelier, il accorde nous une interview. On fait ça à l'atelier, hein, vous voyez? Où est pas l'aide là? Oui. Son palais peut-être chargé, ça. Oui. Depuis combien de temps on va faire peinture? Bon, nous, là, ça fait bientôt 40 ans. 40 ans? Ça fait 40 ans. Mm-hmm. En réalité, je commence à dessiner, vraiment, je suis intéressé dans le dessin, bah, ça. Je suis probablement 4 ans. Mais depuis là, je ne vais pas me quitter. Non. Tu as vu des difficultés qui viennent présenter, par exemple, au niveau des parents. Bon, hein. Mm-hmm. Les adolescents, ils ont besoin que vous allez étudier en dentaire, bah, ça, même avec grand-père, même avec papa. Bah, ça. Mais moi-même, j'ai déjà choisi peinture pour me défaire. Donc, je suis toujours comme en dehors pour me peine. Donc, pratiquement, j'ai commencé comme un peintre clandestin. Vous avez quitté à peine personnellement, mon ça. Ah? Mal caché des côtés, bah, ça, mon peine. Qui, comment vous avez décrit ce style? Bon. C'est pas moi qui ai décrit. Si ma suivi différentes interviews, je vais me ça, qui j'ai eu comme peintre figuratif. Yeah. Mais ça n'a pas empêché que je me fasse pile. Je fais un peu d'abstraction. Je fais pas mal de tableaux abstraits qui sur le marché international. Il y a des grands peintres pour des peintres quand vous Gérard Richter sont peintres allemands, monsieur peintre figuratif et puis monsieur peintre abstrait. Oui. C'est pas qui court. Vous dites que vous intéressez depuis l'âge de 4 ans. Est-ce que ce sont vos qui enseignent ou bien autodidacte? Non, je commence autodidacte. Je viens aller à la Student League, j'étais déjà peine depuis bien longtemps. Ouais, donc, l'homme arrivé, le professeur a trouvé que vraiment, c'était juste des directions que bon, moi, bah, ça, même j'étais déjà commencé peine. À la Student League, c'est New York. New York, yeah. New York. Après, ça m'a fait un cours dans le Brooklyn Museum, mm-hmm. Un cours d'anatomie, bah, ça, dans le fer. Après un temps, vous m'avez enseigné ou bien? Non, je n'ai pas commencé à me dire. Je commençais à peine avec à l'huile, j'ai 14 ans, 15 ans. Ou bien, j'ai caché pour peine. Oui. Mais est-ce que vous m'avez encouragé ou? À l'époque, bonjour, réaliste, songez à l'époque. Peinture, ce n'est pas ton métier en Haïti. D'ailleurs, jusqu'à présent, peinture, c'est mon métier en Haïti. Parce qu'au niveau national, il n'y a pas reconnaître comme métier. Si par exemple, pour lui, il y a un paraître, la banque, il faut prêt, il me dit peintre, il y a pas de bon travail. Il n'y a pas de prêt sous l'argent que je vais prendre. Vous comprenez? Est-ce qu'on fait exhibition, vous supposez, ou fait exhibition? Exposition à travers le monde. À travers le monde. Oui. Je peux peut-être compter combien de pays que je peux exposer. Récemment, je suis exposé. Alors, il faut me dire que dans le moment présent, dans le moment actuel, je m'intéresse à peine des collections de mapteurs sur des thèmes. Par exemple, je travaille il y a quelques années, ça me font une collection que les Faces of Freedom, les visages de la liberté, qui est actuellement exposé dans. Panthéon national là, avant d'être exposé dans le musée MoCA Miami, et là, il a exposé Qatar récemment là, il était exposé Galerie Nader et il va continuer dans différents musées. Donc, il va exposer dans différents. Il m'a préparé une autre exposition sur des événements qui étaient passés en Haïti, dans l'époque rock. Ou est-ce qu'on regarde des tableaux comme ça, ouais, c'est des tableaux qui expriment un peu de douleur, là, comme ça. Un peu de problème que nous vivons. En Haïti. Donc c'est plus bas ça qui intéresse pour me faire pour dire des collections des bails pour
Vous comprenez qui a brûlé pendant des temps. Vous comprenez que tout le monde a joué. Vous êtes obligé d'acheter. Est-ce que ton artiste présentement qui inspire ou qui. Bon, il y a un pile d'artistes qui inspire. Ou bien Picasso, ou bien Matisse, ou bien. Et en Haïti. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas un artiste qui inspire en Haïti. Il y a des artistes qui m'apprécient, mais ils ne sont pas inspirés. Parce que Evren sont peine bon joue marqué un peine au l'autre niveau nous pas vraiment grand pile connexion grand pile artiste qui moi que ici qu'a forcé faire des débats abstraits là ça moi même t'es professeur peinture pendant un certain temps dès qu'il est élève fait ça au senti que on vivait dès encourage au faire même pas de barre directive ouais dit c'est abstrait pour peine ou bien c'est figuratif peine sont du peine chaque découvrir. Je découvre le monde, oui. Moi-même, c'est pas le même chemin, mais je découvre le monde qui ça m'a aimé. Il y a une grosse question sur le thème brûler le monde. Comment commencer et finir un tableau? Bon, au tableau, ça va commencer vite. Son idée qui passe dans la tête. Ou une idée, mais ça m'a fait, je veux dire, bien. Comme une idée, en tout cas, il y a une balance, une composition dans le tableau. Il y a certaines compositions que j'ai envie de faire, certaines compositions que pas dit moi. Par exemple, c'est comme ça que j'ai envie de composer un tableau, je vais mettre des personnages. Quand vous regardez le tableau, ça me fait ça. Trois personnages, c'est ça que j'ai envie de faire trois formes, l'une à côté de l'autre. Donc c'est comme ça que j'ai envie de faire. Quand vous regardez le tableau, ça, là, c'est deux personnages, l'une qui est ensemble, mais l'une en réalité, soit regardez, l'une pas en contact avec l'autre. Vous comprenez? Mais comme si on est qui peine sur un pile tableau en même temps. Ouais, des fois, je m'entraîne dans l'une, soit dans l'une, mal dans l'autre, comme on est ainsi de suite. Est-ce que c'est toujours comme ça? Toujours comme ça. Je ne vais pas vraiment faire des dessins préparatoires, par exemple. Je dois commencer au tableau et puis me réaliser que le tableau n'a pas réussi, donc je m'abandonne, mon l'autre. Ou je dois commencer au tableau pour voir que je n'ai pas réussi. Au lieu de voir le père du tout là-dedans, on est mis de côté parce que c'est parce que le brain n'est pas focus sur le sujet qu'on entame. Hein. Grand merci pour le temps que vous accordez l'interview à finir. Dès que vous avez tué longtemps. Interview rapide. Sur l'interview rapide. Oui. Ok, ça a été un plaisir, vous comprenez. Moi-même, je voulais faire tout le monde partager à moi. Même si vous n'avez pas acheté, vous comprenez, mais ce n'est pas nécessaire que vous achetez, mais du moins que vous apportez un bail nouveau dans la vie, vous agrémentez la vie, parce que la vie est un bail qui a besoin d'armes, parce que les choses ne sont pas belles. Donc, heureusement qu'il y a des artistes, qu'il y a des musiciens, vous comprenez, qui ont fait des belles bails pour nous jouer. D'accord, merci. Okay.